Ouais. Ah oui. Bon, moi, on aura du bois. Là, on fera du vin. Ça a transformé le sol carrément. Ouais. Carrément, même. C'est n'importe quoi. Ah, je suis en dessous de la terre. Bon, j'ai déjà qu'à commencer par casser les petits. Je vais commencer par le gros. On commence à y voir quelque chose là parce que bon. Après, avec la hache que j'ai, gros, Mais ça va vite. c'est la hache de l'enfer. Voilà, ça déjà c'est cassé. Alors toi maintenant, pour te casser convenablement, il va falloir que je te grimpe. C'est ce que je suis en train de faire. Enfin, que tu fais en tu tournes enfin, tu tournes Ça. quoi. Ah, mais il est vachement haut encore ce con. J'avais pas prévu. Façon, je crois que les arbres de sapin, c'est vraiment les plus gros que tu puisses avoir. Hein. Je crois. Non, je crois pas. Je crois que le plus gros c'est chêne noir. Chêne noire, ouais. Parce qu'il te faut 4 pouces pour faire en faire pousser un. Voilà, ça y est. Il a détruit. J'ai fait tomber. Ah bah, oh là, oh là, Bah oh dis là, donc, ouais, j'ai pris. c'est où là-bas? J'ai pris de la chute. Ah ça. Il va pleuvoir des troncs d'arbres. Ça m'étonnerait même pas que j'ai un stack en plus. Ah, il y en a un qui a pas poussé, tiens. Bizarre celui-là. Bah celui-là, ça y est, il a poussé. Ça va vite. Voilà, ça c'est nickel. Voilà. Voilà, dites oui. Et ben j'ai plus de deux stacks, j'ai deux stacks et cinq troncs là. Moi j'ai un stack. Il m'en reste encore à récupérer qui sont bloqués dans les buissons là-bas. Ça dégage. Ah bah attends, mais j'ai encore des. Ah bah il y a des pousses. Hop. C'est bon, vous avez grandi, allez mouler. Ah là il va y avoir du cuir. Il y en a un petit peu, ouais. Ouais, pas mal. Des bâtons. Attends, tout ça se casse. Pourquoi tu mets ta poudre d'os là-dedans? Voilà. Après, bah pour le décor intérieur, je vais te laisser gérer. Hein. Je vais mettre juste du foin. Oui, tu mets genre. D'ailleurs, il est où? Ah merde, il est foutu dans le. Moi, chez toi, en fait, là, je mettrais deux foins comme ça et un foin sur les côtés. Et Ouais, je fais puis, ça. genre, En fait, vers en gros, je là, fais tu ça et ça comme fous. ça, tu vois. Ouais, bah voilà, exactement comme ça. Et puis, genre, vers. Ah Dans non, un peut-être pas coin, là tu parce fous que un là, petit point d'eau. là, il va monter dessus, ce con. Non, genre là, tu fous un petit point d'eau, un truc à la con. Ah, ou non, mieux. Mieux, mieux, mieux. Oui. On fout des escaliers à l'envers comme ça. Et on fout l'eau. Ah oui, bien vu. Bon, tu prends du bois. Bon, puis alors, vas-y, je vais utiliser les troncs de sapin, parce qu'on a beaucoup. Moi j'aurais mis quoi? J'aurais mis une pancarte pour mettre le nom des chevaux qu'on aura. Une pancarte pour mettre le nom de quoi? Des chevaux qu'on aura. Moi déjà il m'en faut un blanc. Il faut un cheval blanc. Ouais.
Tu veux un destrier blanc? Ouais, parce que je vais l'appeler Pégase. Moi je sais pas trop comment je pourrais l'appeler. Ah, moi, mais tous les chevaux que j'ai eu quand j'ai fait des survies, je les ai appelés Pégase. Et il me fallait forcément un blanc. De toute façon, donc bon. Moi sinon pire je me fie à Zelda, je l'appelais Epona et puis voilà. Ouais, oui, au pire, tu peux. Alors voyons voir. Du coup il faudrait mettre un truc comme ça, paf. Il y a Et de la là, pousse, hein. sur le côté. Il y a de la pousse. Voilà. Ouais. Ah, bah, le mien, il est pas encore fini de détruire encore en plus. Alors, comme ça. Comme ça, paf. Bon, voilà. J'ai un seau d'eau. Bon, par contre, Façon, on va effectivement. falloir que je fasse un port aussi. Ouais. Aujourd'hui, ça va être un peu construction, tu vois. Je pense. Bon, pourquoi Après, pas, si tu sais selon. faire un port, tu peux le faire, hein. Bon, j'ai bien quelques idées, ouais, qui me viennent là tout de Voilà, suite. comme ça, moi, je vais agrandir le sous-sol parce que j'en dois agrandir le sous-sol. Ah, j'ai plus de place sur moi. Est-ce que tu sais comment faire des feux de camp? J'ai oublié. Je vais te le dire tout de suite. S'il nous le dit. Oh, ah oui. Faut qu'on avance avec du charbon, des bâtons et du bois. Mais c'est Ça du consiste. bois qui n'est pas. C'est des troncs, carrément. Des troncs directement, ouais. Ouais, trois petits N'importe bois, un quel tronc, ça charbon et des ira, troncs. non? Tu vois? Ah oui, c'est stylé. Par contre, vu que j'ai de la barrière, est-ce que j'ai encore de la barrière? Ouais, je vais faire un truc. Ah, il en manque un bout pour éviter Ouais. qu'il se passe la. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu veux mettre une barrière entre les deux? Ouais, voilà. Comme ça fait propre. Hop là. Moi j'aime bien. Il est stylé nos petits enclos là. Ouais, c'est un truc, c'est un style, il manquera plus qu'à mettre les lanternes et puis. Ouais. Franchement ouais, c'est stylé, moi j'aime bien. Il est sympa. Je vais mettre même Morgane. Oui, un peu de foin, ouais. Pour faire un petit côté rustique. Ouais, c'est ça. Là, je vais planter des carottes. Alors tu m'as donc déjà il me faut des charbons. Attends, c'est quoi tout le bois? Je vais le prendre déjà. Ah bah, j'ai plus de place. Je vais mettre les graines Alors là-dedans. du charbon, c'était au charbon, c'est là-bas normalement. Hop, le petit coffre. Pomme de terre là. Ah, il y a une lampe. Une lampe, je vais la foutre là maintenant. Hop, voilà. Je vais aller ranger le bois. Parce que j'ai 50 milliards de trucs de bois. Vas-y, 30 sapins, hop. Hop, hop. Du chêne. Chêne, il est là. Hop. Hop. Ça, c'est du boulot. Hop, hop. holistique. Hop. J'ai 50 milliards de viande aussi. Stack, hop. Façon, je pense que pour l'instant, on a largement ce qu'il faut pour le bois, pour l'instant. C'est quoi, je pense même mettre de l'éclairage chez les trucs là. Belle Peut-être mettre ça. ou une perle. Parce que ça peut spawn dans l'écurie.
juste là. Oh là là, oh toi. Ah. Tu vas voir si je t'attrape. S'il t'attrape, il te mange. Un peu plus loin. Voilà, en Un plein peu plus loin. vol, salopard. Essaye de me rattaquer maintenant. Qu'on rigole. Voilà. Oh, un noyé dans le bateau. Salut copain. Ça fait un peu plus éclairé là. Je les one shot. Ah, du coup, je vais aller faire les lampes. C'est avec des pépites, ça, normalement. Les lampes, ouais, si je dis pas de conneries, c'est avec les pépites. Ok, bien. Ah! Zut, flûte brute. Hop, alors. Ah oui, c'est vrai, on avait les cactus ici. Hop. Hop. Bon, je vais faire ça aussi. Hop. Oh putain, ils me cherchent ces fantômes de Hop. merde. Hop. Vas-y, vas-y. Hop. Je vous tire dessus en plein vol, moi, j'en ai rien Hop. à foutre, Et je suis un fou. hop, ça fera de la pépite. Allez. Je te jure, tu pourras pas voler éternellement, salopard. Zoloubarbre. Si je te chope, t'es un homme mort. Ah, t'es un fantôme mort. Tu vas mourir. Tu vas meurtre. Monde de chiens. Va. Voilà. Ah non, il me reste encore un truc à mettre. Et hop, maintenant je vais prendre tous les seaux. Ah, j'ai oublié de ranger les trappes. En plus, en fait, le pire, c'est qu'ils te font même pas de dégâts, c'est juste qu'ils sont là, ils t'attaquent, donc ça te fait chier. Ils sont C'est juste ça en vraiment là fait. pour... En plus, des fois, Ils ils te font sont... flipper, ces cons. Ils sont vraiment juste là pour te provoquer, les chacals. Des fois, ils te font sursauter, ces chiens là. Oh, toi, tu vas m'attaquer, vas-y, descends, descends. Descends, c'était un fantôme. C'est ça, c'était un fantôme. Ah, oh. Je fais n'importe quoi. Putain, je l'ai pas vu. Je vous jure, j'ai réussi à choper l'un d'entre vous. Là, on avait des pépites de... On avait des pépites d'or. Fuck. J'espère que je peux le récupérer comme ça. Et non, il se pète. Faut pas que je me foire. De base. Mais non, mais vas-y, j'ai dit je peux pas que je me foire et c'est déjà le deuxième que je joue. Maintenant, je remplisse. On n'avait pas d'autres sauts? Ils sont passés où tous les sauts? Ah merde. Alors attends, il faut que j'essaye un truc. D'accord, excusez-moi, c'est parce qu'il faut que je les place comme ça. Psst. Aïe! Ça chien! Je l'ai fait arriver, mais j'ai pas le temps de. On va dire qu'on foutait un peu d'eau. Ah, oh là! Voilà. Au moins là, on a des sauts. Bordel. Je pense qu'on va faire un truc de cuisson automatique. Ouais. Ça, tu peux le faire, je sais ça. C'est-à-dire que ça cuit automatiquement en fait. Ça s'appelle une ferme automatique de cuisson, je sais pas comment ça s'appelle.
Voilà, maintenant, et il me faut des torches. Il me faut du charbon. Hop là. Hop là. Hop là. Ah, je peux en faire qu'une? Ah oui, j'ai pas beaucoup de pépites pour ça. Hop, c'est cool de faire ça, hop. Et ça, voilà. Ça, on va se faire chier avec ça. Ok, bon, attends, déjà, j'ai pu tester mon truc. Maintenant, il faut Ça que je va le pas. fasse pour de vrai. Faut que je remonte d'un étage de plus. Ça, Voilà, ça. un peu mieux comme ça. Zombie de la Légion. Ah! Ah, mais zut, flûte brute. Alors, attends. Voilà. Alors du coup, il va me falloir. Il va me falloir des. Il m'a fait peur, ce con. Des barrières. Des barrières, des barrières. J'en ai 20 de barrière encore pour l'instant encore. Attends. Ou tu sais quoi, j'utilise un peu de cobble, tiens. On va changer un peu, on va prendre de la cobble. Mais te chope, t'es mort, je te le dis toi. T'as vu, ils rendent fou, hein. Ils rendent fou les bougres. Oh, je l'ai Là, eu. Tiens. Une membrane. voilà, on va faire ça Ah comme voilà, ça. c'est mieux. Et voilà. C'est quoi que je t'ai pris dans mon à l'intérieur? Je vais faire. Tiens, prends un coup d'épée dans ta gueule. Et ça, Prends une voilà. flèche aussi dans ton Ah cul merde. là. Là, il est mort dans les airs. Voilà. Attends, quand on pense. Du coup, ça va là. Voilà. Une fois que je les ai remontés. Hein, parce que Ouais, j'ai vu. trop. Sinon, ouais, ça fait pile à côté de notre tête. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a ce qu'il faut. Au pire, les gars, je mets des trappes. Je vais mettre Il y a encore un noyé sur le bateau. Et dégage. ça. Ah, il y a du gravier qui a été cassé ici. Qu'est-ce que je voulais faire? Table de craft, je vais l'embarquer en bas. Si t'en as pas besoin. Non, tu peux. Je commence à casser un peu mon. Le truc pour. Ça sera la bouffe dans cet endroit ici. Alors, il va me falloir quelques escaliers en pierre, ouais. Je vais faire quelques murets. Stack de demi-dalles en pierre. Alors, prendre ça comme ça. Fracasse hein. Ah ouais. En gros je one shot les blocs. Hey. Ici on va mettre un peu Je veux de juste un pierre clic, aussi. hop ça casse. Et encore elle est efficacité 4. Je crois que le plus c'est efficacité 5 je crois. Le maximum, ouais.
6 là. Je sais même pas si ça change grand-chose. Bon, la pioche, bof, en vrai. Je suis pas sûr que ça a un réel Non, sinon il impact. faut Bon, passer après, en pioche c'est. mesurite. Je pense que c'est toujours mieux de l'avoir, hein, mais bon. Voilà quoi. Toute façon, je pense que le. Je pense que demain soir. De toute façon, il va y avoir deux lives. Il va y avoir un live Source de Forest et un live Minecraft. Dans le pire des cas. Ouais. Mais. Je pense que demain on va aller faire un peu, essayer de trouver un peu de mesurite. Demain, ouais, Ouais. pourquoi pas. Parce qu'en sachant que pour la mesurite, il nous manque pas, il nous faut pas grand chose, tu vois, il nous faut juste un lingot de mesurite pour pouvoir faire notre truc. Donc en soi. Nézorite, allez, si on peut. Idéalement, il faudrait qu'on arrive à choper un stack en fait. Ouais. Je pense qu'avec un stack Ça sera Nézorite, suffisant, on je est pense. large. Ouais. Faut que je creuse à 13. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, ok, 13. La terre. La terre, il n'y en a pas deux. Ah merde, j'ai cassé le plafond. De toute façon, c'est pas grave. C'est l'entraîneur de Marseille, en fait, il s'est cassé. Ah bon? Eh, j'ai vu ça hier. Merde. J'ai dit, mais wesh, sérieux? Il en avait marre. Pas pour le coup, j'en sais rien s'il en avait marre, mais il s'est cassé, apparemment. Pour quelle raison? J'en sais rien. Cela restera un mystère. C'est ça. Apparemment, c'était le. Il y avait une réunion entre les supporters. Enfin, les groupes de supporters marseillais, tu sais, les grosses. C'est ceux qui dirigent les groupes, tu sais. Ouais. Ils avaient rendez-vous dans le bureau. Enfin, dans le bureau. C'était une réunion avec les groupes de supporters et le staff technique, enfin le staff, enfin pas le staff, avec les grosses têtes du club, tu sais, le président, l'entraîneur, etc. Tu vois. Et apparemment, ça a pété apparemment. Y a eu des menaces et tout apparemment. Ah oui. Parti loin quoi. Ouais. Bah, gros, t'as un coach. Après, je peux comprendre les supporters sur certains trucs. Mais par contre, menacer, non, ça, je comprends pas. C'est un club, t'as pas besoin de menacer pour. Voilà quoi. Ouais. C'est-à-dire que là, on se retrouve sans entraîneur. Aussi avec un entraîneur intérimaire. Mais bon, lui, il a fait tout son temps à Marseille. Donc, il sait ce que ça représente le club. Il connaît les valeurs, tu vois. Mais bon, le truc c'est même pas ça que moi je vois. Le pire c'est ce qui s'est passé pour l'entraîneur, tu vois. Ça, je trouve ça un peu dégueu. Alors la pierre elle est ici. Hop, 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 hop. Voilà, alors. Avec du bloc comme ça, je vais pas en avoir assez. Du coup, ça par contre, je vais tous les prendre. Je vais déjà placer le toit. On va pas chier. Alors normalement, Bah, il manque de la lumière ici. Je vais mettre un peu de lumière. si je me suis pas foiré.
Alors, pleine de lumière. Que la lumière Ça fuse. donne ça. Ah, j'aurais dû faire, Si tu vois, je du vert, tiens. pète ça et que je Non, récupère ça va ça l'embêter. comme ça. Maintenant, c'est chelou. Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai comme la gorge de te regarder. M'appeler bébé. Bon, on va tout péter. Parce que là, il y a un truc qui va pas, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Du coup, je vais tout péter, je vais Je vais recommencer. la taper. C'est chelou. Je vais la taper, c'est chelou. J'ai besoin de temps de te regarder. T'appeler bébé. Alors, du Je me coup, suis trompé. donc ça, télé 1, voilà, comme ça. Et tu en fais un encore. De l'autre côté, on va faire pareil, voilà. Pof. 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 Voilà. Voilà. Et là, au pire, au lieu de mettre des murs normaux, j'ai foutu des murets. Comme ceci. Ah, du gravier. Comme si on n'en avait pas eu assez. Ouais. Ça va. On a défoncé une montagne de gravier quand même. On l'a boumé la montagne. On y a fait zbleu! Du papa. Voilà, on va faire ça comme ça. Les dalles de pierre. Ah, j'en ai plus, plus. Bon, ok, j'ai compris. Merde. Hop, ça normalement j'en ai plus besoin, hop. Par contre. J'en ai besoin, viens ici. Viens là, toi! Hop. Voilà. Non, c'est pas ça que je veux faire. Je suis obligé de péter ça du coup. Voilà. Du coup, ça ne referme pas totalement la barre. Voilà. Il manque un bout. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, oui, j'ai foutu ça là. Bah, au moins ça refait le stock de cobble parce que putain on en avait plus pour le coup. Ouais. Non, on avait plus du tout. Donc ici, on va continuer à en foutre Ah la bah oui, c'est vrai, terre. gravier, c'est vrai qu'on en a pas mal. Le gravier, on l'a tué. Pour le coup. Ah, on l'a boumé. On l'a boumé quoi. J'améliore un peu la salle des coffres en niveau de design. De toute façon, je savais pas comment la faire donc. Ah! Il y a un truc de cobble là-haut. Je sais pas d'où ça sort. Ah, c'est celui de la maison, je crois. Ça sert à rien. Manque un peu de lumière quand même. Hop. T'aurais encore quelques lanternes des fois que. Ouais, tu regardes dans le coffre, j'en ai mis. J'ai mis le reste. Dans le Ok. coffre. Bah, qui était à côté là, tu sais. Le coffre en face du. De l'écurie.
Normalement, il y a ce qu'il faut. Enfin, il y a ce qu'il faut. Y a un petit peu, quoi. Ouais. Il n'en restait pas grand-chose. Bon, t'inquiète, j'en ai pas besoin d'énormes, hein, c'est juste pour éclairer le port. C'est quoi? Je pense que le sol, je vais le faire en béton. En béton blanc. Pour Ouais. faire un peu, pour faire un truc de clarté, tu sais. Parce que là, je vois. Putain, ce qu'on a, quoi, on va faire des abîmes. Ouais. Et encore, heureusement qu'on l'a fait 8 heures hier, on n'a pas ramassé toute la bouclée qu'il y avait, parce que putain. Ah, mais c'est pas vrai, mais laissez-moi tranquille à la fin. Voilà. Ça fait un petit Oh, ils me mélange font de faire des conneries en couleurs. plus. Oh, regarde, c'est trompé. Oh. Donc oui, je vais aller retirer ça. Quand je mets ça là, la Hop. terre, elle va ici. Ah, faut que je vais pas faire des croches, des trucs après. Eh, franchement, je vais vraiment les goumer, ces fantômes. Genre, je vais exterminer toute leur espèce. Extermination. Ça va être un génocide carrément. Ah, de ouf. On avait du charbon, je crois, en plus. Attends. Oui, on a du charbon. Je vais faire des torches parce que ça me saoule. Donne-moi des sticks. Hop. Voilà, hop. Ça, je vais Voilà. me foutre ça Hop. comme ça. Maintenant, bouge pas. Hop. Voilà, 2 stacks de torches. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a maintenant, hein? Putain. 22 000, bordel. Hop, hop. Est-ce que c'est bizarre? C'est quoi pour l'instant? Je vais te mettre là, hop. Bon Voilà. bah le port est fini, voilà. Ah, déjà? Ouais, ça y est, je vais faire un petit port après, hein. On peut le C'est faire plus vraiment. tôt. Oui, bah de toute façon, on n'a pas besoin non plus de faire un truc gigantesque, hein, alors. Gigantesquement gigantesque, quoi. Attends, j'arrive, je vais venir voir. Ah ouais, c'est l'armée des Oh. fantômes là. Putain, j'ai vraiment les. C'est en train de me rendre fou et Oh, en c'est plus il y a un stylé. truc qui. Squelette à la. Ah merde. Oui, fais gaffe, c'est des feux de camp par contre le sol. Oh, je fais comment pour l'éteindre? Faut l'éteindre avec une pelle. Ah. Ah oui, moi j'ai fait clic gauche sur dessus avec l'épée et ça l'a allumé carrément. Je crois qu'on va aller dormir. Avec l'épée, ouais. Hein. Ouais. Ok, Alors, moi je. tiens, gars, teste-le, tu vas voir. Non, bah. Je savais juste pas qu'on pouvait allumer avec l'épée, je croyais qu'il fallait un wiki Bah tu sais obligatoirement. que même le portail du Nether, on peut l'allumer avec l'épée. Hein. Ah ouais? Wesh. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça qu'il nous fout vend, là? toi? Ah, il y a des blocs de corail cube. Ah, il a du ça. Ah, gros, il y a de la poudre à canon. Sérieux? Contre combien? Il veut quoi? Bah, un émeraude. Et il donne qu'un seul poudre à canon ou il en Ouais, donne ouais. plusieurs? Allez, où là? Non. 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 Allez, en bas. Je crois. Attends, peut-être qu'elle est dans mon coffre. Ah, non, dans mon coffre. Hop. Voilà, toi. Bon, bah Ah en ouais, je tout peux en cas. prendre que 8, sale chien, gros. En tout cas, voilà. T'en Oh, penses quoi par du contre, du coup? sable, j'en ai pris 40. Ah ouais, sur moi, j'aime bien, c'est stylé. Ok, parfait. Par contre, un truc que tu pourrais faire, c'est de la mettre en Ouais. un peu de moussu. Pour lui donner un petit style un peu vieillot là. Ouais, bah, comme le. Non, pas que. Ouais, ouais, non, quoique. Vas-y, ça je vais les retirer les trucs là-haut parce que c'est un truc de ouf, gros. Ça se répand comme du chien dent, wesh. C'est un truc de malade. Oh, c'est trop. En tout cas, voilà, Non, on a c'est un bien en petit fait, peu. non, en fait, parce que comme ça c'est bien. J'aime bien, c'est stylé. Alors attends. Ah, les carottes, hop. Après, de base, je voulais mettre deux rangées, tu vois, plutôt qu'une, mais je me suis dit une seule, ça suffira parce que quoi qu'il arrive, le bateau,
C'est pas ce qu'on se sert le plus, et même quand on s'en sert, on est à deux dessus généralement, donc Ouais, c'est ça. Bah, comme plus ça, c'est un peu normalement, en bas, j'ai facile. un bateau avec un. Ah oui, bah sur la droite, je sais pas si tu l'as vu. Il y a un Oui, bah c'est bateau. lui que j'ai mis. Avec C'est un. lui que j'ai mis dans la rangée là. Non, c'est un bateau. Il y a un bateau avec un coffre aussi. Oui, ouais, bah celui-là, ouais, je l'ai laissé sur le côté. Ouais, bah, c'est tout. Attends, là, je suis en train de vite fait de. De planter les pommes de terre, de la terre. J'ai failli en train de la manger. Je vais planter les carottes. Ah, je vais pas bouffer la carotte. Parce que pour les villageois, il y a. Il y a ce qu'il faut pour. Enfin, il y a ce qu'il faut. T'as carottes, blé et. La Tiens, carotte, faudrait blé. que. Il y a encore des raccommodages? Ouais, je te les ai laissés normalement. Je t'avais Ils laissé les sont où? raccommodages. Dans les coffres en haut? Normalement, oui, ils sont, je crois qu'ils sont en haut normalement. Je vais foutre un raccommodage sur mon épée pour pouvoir Ah, moi j'y ai gros, faire un elle s'est jamais désenchantée la machine. Enfin, elle s'est pont. jamais abîmée pour le coup. Si tu veux, je peux te le Est-ce que faire, je tu peux te les mettre sais. dessus parce que sinon, au cas où, vu que moi je suis au niveau 33. Voilà, je suis niveau 31. Normalement, je devrais avoir assez de niveau, mais j'ai un doute. Faut juste les retrouver quoi, parce que je sais plus où je les ai foutus. Raccommodage. Je te les avais pas donné. Il me semble que je te les avais rendus ou je les avais posés dans un coffre, je sais plus Ah, ce que j'avais fait. je crois qu'il est dans la ferme à laine. Au coffre devant, je crois. Oh ouais, c'est pas dans les coffres ici en tout cas. Non, pas ici. Et là, non plus. Ah, si, ils sont là. 1, 2, 3. J'en ai pris deux, je t'en ai laissé 3. Tiens. Bon, après un seul là pour le moment ça me suffit. Non, bah, t'en auras 3 pour mettre sur ton armure. Là, je vais surtout mettre sur mon épée pour le moment, comme ça je vais farm un peu des mobs. Si ça. Va être Trop bleu. cher, sérieux? Ah oui, c'est cher hein. Pour le coup, ouais. Mais j'ai même pas le de niveau, ça me met juste trop cher. Attends. T'as combien de trucs sur ton épée? J'en ai que 4. Bah normalement tu peux. Fais voir je peux le faire. Ça me met trop cher. J'ai même pas de niveau requis ou quoi que ce soit. Mais oui. Oui, il pète un câble. Mais. C'est quoi ce bail? Ouais, normalement. Bon bah écoute, au pire, vas-y, refile-moi l'épée, voir. Ouais, d'un côté ça fonctionne pas, mais par contre ce côté-là, il est trop cher. Mais il est con ce jeu. Merde, là, c'est la mienne. Ah tiens. C'est bizarre. Alors attends. Attends, on y. Je vais tester avec. Oh, j'ai un. Oh, c'est niveau 65, wesh. Pour. Pour mettre accommodage sur mon épée. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Ah, tu sais quoi au pire des cas gros, tiens. Prends mon épée pour farmer. Je te donne ça, voilà. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Pour épée Niveau pour farmer 65, comme la ça au moins putain de tu tarasse. pourras voilà tu pourras farmer. Par contre je vais faire un truc au Même sur niveau ma pioche, ça me coûte que 17 niveaux. non mais c'est parce que les plans on l'a depuis le début et on s'en N'arrête sert pas de. beaucoup. Non, et puis moi, il faut dire, j'ai rajouté beaucoup d'améliorations dessus. Ouais voilà. Alors attends, par contre je vais faire un truc. Voilà. Par contre, toi, t'es bien butin 3 dessus. Attends, moi, je l'ai buté. Moi, j'ai butin 2. Il manque, ah, par rapport à la tienne, en fait, il y a juste un niveau de butin en moins et un niveau de tranchant. Ouais bon ça
vas-y, il va vous aider combien de stocks? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 étoiles d'or pour faire des trucs de traduit. 5 béton et il faut 6 étoiles. Voilà. Comme ça, l'XP se barre pas. Bon, par contre, les zombies commencez pas à me donner vos merdes là. Ouais. Ah, bah non, mais ça, je peux pas avoir à faire comme si tu pouvais faire ça. Je vais faire de la poudre de béton. La poudre de béton. Ça va être quoi ça? Ah, c'est du colorant or. Du colorant blanc. Ok. De la poudre d'os quoi. Ouais. Ah, t'en fais pas mal. Oh, gros, tout ce que j'ai en poudre de béton, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 14 stacks, gros. Ah ouais, mais par contre, ce qui va être chiant, faut que je teste un truc. Il me faut un seau d'eau. Y'a pas de seau d'eau. Lui il est plein. Lui y a rien. Lui il a rien. Lui c'est bon. Hop, il est pas plein. Il me faut un seau de flotte. Faut que je teste un truc. Si ça fonctionne comme ça, c'est stylé. J'aimerais bien que ça fonctionne d'ailleurs, comme ça. C'est ça. Ça fonctionne. Ah bah je vais faire comme ça. Béton blanc, ouais. Ah bah si ça fonctionne gros, je vais faire comme ça. Par contre, je vais savoir, est-ce que ça va détruire les coffres si je mets de l'eau? Qu'est-ce que t'en penses? Ah. Normalement, non, ça détruit pas les coffres. Putain, attends, gros, je suis emmerdé. J'ai fait une dinguerie. Vas-y. J'ai pas récupéré l'eau. Ouais. Putain. Alors, c'est bon. Pétain, bordel, des merdes. Attends. Ah, tu sais quoi, au pire des cas, je peux faire ça direct. Oh bah attention, j'ai plus de place sur moi, donc je vais devoir casser avant. Donc là, ça va, en fait ça va bien me servir là. Ah merde, ça va bien me servir les merde, comment ça s'appelle, les ah, un trou de mémoire, les colorants. Ah oui, ouais. Ça va bien nous servir pour le coup. Alors normalement, si je fais ça,
Bah, je le ferai après parce qu'il manque. Faut mettre de la poudre de béton avant, hop. Donc, normalement, si je fais ça et que je fais ça. Ah, ouais, d'accord, ok. Ah non. Non, 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 non. Oh, je peux pas le récupérer. Séparé en deux. Le délire. Première fois que je vois ça. Le délire. Ça va être une mer pas possible à faire. Comme ça. Ça va par là, mais il est con quoi. Si je c'était facilement de te regarder. Oh là, tu Je me suis pas battre. en fait. Je vais t'appeler PP. Je vais la taper, c'est chelou. T'appeler bébé. Je vais la taper, c'est chelou. Ah, mais je comprends pourquoi ça fait ça, putain. C'est les cadres. Je crois que ça prend pas en compte quand tu fais ça. Ah, c'est ça, ok, c'est les cadres. Bon, je vais devoir retirer tous les cadres. Et tous les remettre. C'est super. Tétéli, bili 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 bili. Encore. Oh non, j'ai fait une connerie. Ma poche est tellement puissante que j'ai carrément broyé le coffre en une frappe. Oh putain. Je suis en train de vider le coffre de farm parce qu'il est blindé. Concrètement, il est blindé de saloperie dedans. Ouais, je me doute. À défaut de dropper des flèches et des os, tout ça, maintenant on drop beaucoup d'armure et Ah, ils ont de enlevé tous les mèches. squelettes. Donc forcément. Les zombies donnent beaucoup d'armure, de temps en temps ils donnent une pelle. Truc qui sert à rien, quoi. Carrément. Ok, donc si je fais ça, normalement. Ok. Ok. Par contre, là, la chair pétrifiée, si on a curé un de ces quatre, on les refait, hein. Bon, je pense que je vais essayer d'en faire spawn un de. Pour en faire spawn, je crois qu'il faut un alambic. Ouais, c'est ça. Et ça, je peux toujours le faire au cas où. C'est pas compliqué, faut juste que je retrouve des mobs. C'est ça et ça.
Voilà. Le verre. Hop. Pourquoi il y a du bois ici? C'est le truc de sapin. Quand je fais sapin, qu'est-ce qu'il fout là? Chelou ça. Hop, moi qui s'est trompé. Ce qui est bien, c'est qu'on a des laines de toutes les couleurs. Maintenant, on est bien. Ouais. Normalement, le sapin, c'est ici. Ah, c'est ça. J'ai dû me tromper. Ça peut arriver. Voilà. Ah, si, si, c'est la laine. J'ai déjà fait. Là, il n'y a pas de coffre, donc ça sera plus simple. En fait, on a un coffre d'os. Hein. Ouais. Au cas où. Ah, puis on a un coffre dessous aussi. Noir aussi à wagonner et à rail. Et ça c'est du quartz. Voilà, ça c'est la pierre. Hop. Pierre des abîmes. Merde, c'est pas comme si on a presque deux coffres remplis. Là c'est le teuf. C'est le teuf petit teuf. Là c'est le gravier. Donc en fait gros tu fais beaucoup plus de trucs en fait vu que c'est divisé par deux. Tu prends genre 7 stacks de gravier, 7 stacks de sable, ça te fait 14 stacks de poudre de béton. En soi t'es gagnant quoi. Et tout ça en fait c'est de les mettre en béton simple. Ça va, ouais. Et de toute façon, avec tout le gravier et tout le sable qu'on avait, on peut se permettre. Ah oui. De toute façon, pareil, le gravier, on avait été le chercher exprès pour ça, donc autant que ça serve. Ouais bah c'est pour pareil, c'est pour ça, c'est pour ça aussi que. Je profite à faire du béton blanc sur les dans toute la salle. Bon, bah, je suis encore bien loin du niveau 65. Hein. Ah ouais? Ouais. Je vais seulement bientôt passer niveau 39 là. Eh gros, tu savais qu'on avait des blocs de charbon? Ouais, vous savez. Non, bah moi je savais pas. Enfin, je le savais parce que je l'ai vu tout à l'heure en fait, surtout. Ah oui. Bah moi je savais pas pour le coup. Tout à l'heure je cherchais du charbon. Ah, j'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était du charbon de bois au début. Mais apparemment non. Donc tant mieux. Voilà. Ah ouais, putain, faut que je casse ça aussi. Tous les fours, hop, 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 hop. Oh les bâtards. Je suis en train de voir un truc, tu vois la série Live Action qu'ils ont fait à Netflix sur One Piece. Ouais, bah, apparemment ça a chié apparemment. Wow, je sais pas, il y en a plein qui disent qu'elle est bien, Il y en a mais plein qui moi disent je qu'elle trouve. est bien, il y en a plein qui disent qu'elle est nulle, il y en a pour enfin voilà, en tout cas c'est de la valeur. Ça dépend de la valeur des gens aussi de ce qu'ils aiment. Oui. Bah j'ai quand même remarqué que la plupart des gens qui disent qu'elle est bien, c'est ceux qui n'ont jamais vraiment regardé l'anime. Hein. Ouais, voilà. En général.
Moi, je... Mais Déjà, en général, là, moi, je l'aime pas, alors, comme ça. dans les acteurs, genre, il y a un homme sirène, quoi. Je Ouais, crois que, d'accord. je sais plus comment il s'appelle. Et pour l'acteur, ils ont mis. Bon, c'est un fake, hein. Pour l'acteur, c'est John Cena, genre, avec des cheveux violets. Ouais. Moi j'avais juste regardé peut-être deux ou trois épisodes dessus, ça m'a saoulé. Bah j'ai juste regardé jusqu'à temps qu'il bat le pirate. Bah, de toute façon ils sont tous des pirates donc la première île où il va il se bat contre un pirate contre un gang de pirates. Contre Baguette le clown. Oh je sais pas, c'est un gros je crois. Oui, c'est quand il va chercher Zoro, peut-être. Ouais je crois que c'est ça ouais. Ouais, c'est le tout début de l'animé en fait. Mais c'est contre la marine qui se bat. Et il libère Zoro et qui rejoint son équipage. Ouais ça doit être ça, ouais ça, ouais, bon, ça doit être ça, j'en sais rien. Me demande pas, j'en sais rien du tout. Je peux te le dire. Bon, même si j'ai beaucoup de retard sur l'animé, justement pas que sur les. Je sais même plus à combien on est, on doit être au moins à 1070, je crois, une connerie dans le genre. Moi sur One Piece, je suis à l'épisode. Alors attends, j'ai regardé ça. Je suis à l'épisode 670, donc tu vois que je suis encore bien loin quoi. Ah ouais la vache. One Piece c'est par période en fait. Là, alors en ce moment je le regarde plus parce que ben, ça m'a un petit peu saoulé. Mais pendant de temps en temps quand je me tape des petites crises One Piece, je me mets à regarder une centaine d'épisodes et puis j'arrête après. Non, j'ai essayé de regarder, ça m'a pas plu plus que ça. Pas comme Fairy Tail, tu vois, Fairy Tail, moi j'ai bien aimé parce que tu vois directement les trucs dès le début, tu vois. Enfin, tu vois directement. Oui, je vois ce que je veux dire, mais là, bah après, ça, les gens penseront ce qu'ils veulent, mais la critique que j'ai entendue le plus souvent par rapport à Fairy Tail, c'est que c'était, il y avait beaucoup trop de bons en fait. C'est pour beaucoup de personnes, ils ont critiqué Fairy Tail parce que si tu préfères, tu passais trop vite à autre chose sans forcément d'explication. Moi j'ai pas remarqué, non, moi j'ai pas perçu ça. Enfin, j'ai pas aperçu ça en connaissance de cause parce que je l'ai regardé, tu vois. Oui, bah moi Mais. aussi, Fairy Tail, je l'ai fini un nombre. Je ne sais même plus combien de fois j'ai regardé Fairy Tail. Après, bon, c'est la vie de certains. Oui, bah après, chacun son avis, tu vois. Ça, voilà, c'est son. Chacun leur C'est avis. ça. Mais moi je sais que Fairy Tail, je me suis pas. Comment je pourrais dire? Je me suis pas ennuyé à le regarder, tu vois. Bien au contraire. J'ai Moi même kiffé non plus. le regarder, tu vois. Moi non plus, après, sincèrement. Après, de toute façon, généralement, si la plupart des gens qui aiment pas Fairy Tail aussi, c'est parce qu'ils critiquent un peu le fait que ben, c'est vrai que Fairy Tail, ça fonctionne beaucoup avec le pouvoir de l'amitié, quoi, on va dire. C'est ça. C'est vrai que dans Fairy Tail, le pouvoir de l'amitié, ça résout tout, quoi. Bah c'est ça. Bah, oui, parce que quand tu regardes que Natsu, il est beaucoup. Enfin, même si avec Gray et Shikan, tu vois, ça reste quand même. Pour eux, c'est comme une grande famille, tu vois. Bah oui. Donc, enfin voilà, pour moi, en gros, même si Shikan, voilà, ils sont, c'est comme de la famille. Donc, en vrai, Moi de toute façon j'avais aimé Fairy Tail. Bon, ah moi, ouais, que moi j'ai aussi. vraiment le plus kiffé, c'était quand même le tournoi de la magie. C'est le Ouais, passage que je préfère c'est le là où tu vois plus. Yarza qu'elle devient putain de badass. Elle se tape les 100 mobs comme ça, ils sont tranquilles à elle tout seul. C'est ça, t'as Yarza qui devient badass, t'as Natsu qui affronte les dragons jumeaux en Ouais, les solo. dragons jumeaux qui les défoncent avec. Gadil. C'est ça. Ah oui, ça je m'en souviens, ouais, c'est stylé, moi j'ai bien aimé. Après aussi, j'avais bien kiffé, c'était le combat de Natsu contre Zelef après le passage de Tartaros. Bah ça c'est la fin ça. Ouais, ça c'est plus sur la fin. C'est plus sur la fin Mais ouais, à j'avoue, un mais moment il devient plus quand. puissant que lui. Ouais, bah ouais, sur le moment, il a raté l'occasion de le tuer, quoi, on va C'est dire. ça.
Bah en fait, la créatrice de la guide de Fairy Tail, elle était tombée amoureuse de Zelef. Ouais, c'est ça. Et c'est Zelef, enfin c'est Zelef qui l'a empoisonné en fait. Mais en fait, il a un livre, lui. Le livre enfin, END. C'est Hyperion de Natsu Dragnir. C'est son livre, en fait. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui le savaient. Ça, moi je l'ai su bien avant qu'il y ait eu toute l'histoire de Tartaros parce que bah, malheureusement c'était quand j'étais au collège à ce moment-là. Ouais, bah, puis il y en a eu Et spoil. je m'étais fait spoil en fait, mais les épisodes ils étaient pas du tout sortis quoi. C'est parce que bah, je connaissais, j'avais des potes à moi, eux et bah, ils aimaient bien Fairy Tail mais ils lisaient les scans. Ah ouais, d'accord, ok, oh, je vois le Du truc. coup, bah, le problème c'est qu'avec l'histoire des scans, bah. Peu importe, tout anime confondu, quand tu lis les scans, t'es carrément plus en avance que ceux qui regardent les épisodes normaux, Ouais, quoi. bah oui. Mais toi, ça, Et je trouve ça chiant, tu vois, des gens qui spoilent comme ça, là. c'était comme ça en gros que je m'étais fait spoil par rapport au livre OND, que j'ai su que Banatsu c'était un démon et tout ce qui s'ensuit, quoi. Enfin, il a du gène de démon. Ouais. Dis-toi que ce gars dont je te parle, je crois que. Alors, c'était pas un an après, mais pas très loin, il connaissait déjà la fin de Fairy Tail alors que Tartaros y était même pas encore passé, quoi. Ah ouais. Par contre, en vrai, elle est, enfin, moi dans l'anime, je la trouve badass et tout parce qu'elle fait toute gentille, etc. Mais elle existera en vrai, gros, je la bouillave. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Elle fait ça toute gentille, tout ça, mais quand elle doit vraiment se battre ou quoi que ce soit pour la guide ou quoi que ce soit, par contre elle tape. Et ça, elle tape pas n'importe comment, tu vois. C'est pas Erza et c'est ni Lucie. Lucille. Bah après pour alors les persos féminins qui sont les plus forts dans la guilde pour moi ça fait Erza et juste en dessous t'as Mira Jane. Et c'est ça. Et moi je te parle d'elle, Mira Jane. Parce que Et là, Mira elle a Jane elle. le pouvoir, c'est elle a du truc de démon aussi, elle. Bah de base c'est le pouvoir de transformation qu'elle a, mais oui vu qu'elle. Mais oui elle arrive à se retransformer en démon. Parce qu'après, je sais pas si t'as vu, bah si tu l'as vu, à un moment donné, elle peut se transformer en démon, mais c'est un petit démon lambda, tu vois. C'est pas un démon tout puissant. Par contre, quand c'est le truc avec. Quand ils sont sur le. Sur le. C'est pas. Je sais plus si c'est un vaisseau, un truc comme ça qui est dans les airs. Et qu'elle se fait. Elle se fait même entuber, enfin entuber par les. Bah si, c'est les gardes. Les gardes de. Je sais plus trop quoi, là. Ceux qui veulent Non, réveiller END, tout ça, là. De base. ouais, bah ça paraît, c'était le passage de Tartaros. Ouais, bah voilà, bah oui, voilà, avec les membres de Tartaros, je sais pas si tu t'en souviens, ils avaient enfermé Mira Jane dans un bloc de. Enfin, dans un bloc. Dans un tube, dans un truc de tout vert à essai, je sais pas quoi, avec un truc de démon là. Elle pensait qu'ils allaient le transformer en démon, mais en fin de compte, elle pouvait se transformer comme elle voulait en fait. Et en fin de compte, elle a dégommé les membres de Tartaros. Parce que t'avais la scientifique là, qui faisait avec les expériences, et elle était dans les trucs d'expérience. Je sais pas si tu te souviens de ça. Je souviens d'elle. Bon, après, peut-être que tu t'en souviens vite fait parce que ça date. Ouais, ça remonte à longtemps. Ouais, voilà. Mais ouais, ça, je m'en souviens, j'y pense. Ah, moi ça m'a fait triper gros, sur le concours de. Sur le, con bah, le concours des. C'était des meilleurs de. Les meilleurs des guides, enfin la guide la meilleure. C'est quand il y a Mira Jane opposée à l'autre là. Je pensais qu'ils allaient se battre moi au début. Eh non, ces salopes, ils se sont foutus en bikini à se changer comme des salopes là. Ah oui, je me T'avais souviens. tout le monde, t'étais. Oh. Oui, je m'en souviens de ce passage. Ça m'avait fait triper.
Mais après aussi, un autre combat qui a bien été kiffant dans Fairy Tail, dans le tournoi, c'était Erza contre... Contre celle qui gère le truc, qui gère, qui était La gravité, là, qui avec était son avec les sabre. dans la guilde des jumeaux là. Non, pas dans la vidéo. Pas... Non, pas elle. Elle c'était une connasse. Enfin, une connasse. C'est pas ce combat-là qui m'a plus hypé, c'était vraiment quand elle s'est battue contre l'autre avec son katana, là. Je sais plus son nom. Ah oui, elle, oui. Bah c'est celle qui, bah celle qui, c'est elle qui l'avait sauvée quand elle était petite. Elle avait sauvé la, bah elle avait, celle avec son katana, elle a été sauvée par Erza quand elle était petite, elle l'avait cachée. Dans un tonneau ou un truc comme ça, je Oui, sais plus. quand c'est oui, c'est à cause de ça qu'elle s'était fait kidnapper et qu'elle s'était retrouvée à la tour Ouais, c'est ça. d'Etherius. C'est ça, avec, comment il s'appelle lui? Avec Même Jael. avec Jellal, ouais, le vrai Et Jellal. puis son grand frère, du coup, son grand frère l'avait été emmené là-bas aussi. Ouais. Ça c'était le vrai Jellal qu'on connaissait, tu vois. Pourtant il était pas méchant, lui le vrai Jellal. Non, bah non, c'est juste qu'il s'est fait corrompre par. Bah il Par part Ultia, oui par le. je crois. Non, c'est pas Ultia. C'était quoi le nom de la fille de Houl? Si, c'était Ultia. Ouais c'est ça, oui, c'est ça. Bah elle parce que elle voulait venger sa, elle voulait venger sa mère. Elle était pas en paix en fait. Alors, elle voulait pas vraiment venger sa mère. C'est juste qu'elle allait tomber, on va dire. C'est bizarre de lire comme ça, mais elle est tombée dans les ténèbres parce que justement, en fait, elle pensait que sa mère l'avait abandonnée. Et Ouais c'est ça. quand elle l'a retrouvée, elle avait vu, ben, du coup, Gray et Léo. Ouais c'est Ou ça. Léon, je sais plus son nom, pareil. Ouais mais oui mais en fait elle l'a pas abandonné en fait parce qu'elle a sauvé la vie à Grey. Bah après à ce moment-là, elle savait pas elle Ouais qu'elle bah au oui. final elle a appris plus tard, mais du coup ça y a fait ni chaud ni froid vu que pour elle c'était juste une vengeance quoi. Bah quoi De que si toute après façon. après elle sacrifie. Quand il y a le truc des dragons, non c'est pas le truc des dragons je crois. Si c'est ça, Ouais, pour remonter le c'est temps. parce que elle pensait vraiment pouvoir changer la donne quoi au final. Mais bon, elle a réussi à remonter le temps que d'une minute. Bon après Ouais tu mais me diras si ça a sauvé ça a ça sauvé a sauvé beaucoup tout de le monde. monde. Mais oui, de base, elle avait appris la Ancestrale. magie du temps pour Magie du remonter, ouais. temps. Ouais c'est une magie ancestrale. Bah c'est comme celle de Natsu. Hein. Parce que Natsu, quand tu regardes Natsu, il a une magie enfin, c'est une magie ancestrale. Ça a été fait par Dragnir, le dragon. Mais derrière, lui, il a appris à absorber les autres pouvoirs des autres dragons. Quand tu vois que, tu te rappelles l'autre, le dragon, je crois que c'était le dragon de lumière, là, tu sais, quand ils sont sur l'île pour les épreuves. Dragon de lumière. Ou de lumière, ou je sais plus quoi, ouais, c'est de lumière et d'électricité, un truc comme ça en même temps. Luxus. Non, Oui, pas quand ils lui, non, c'est sont. pas Luxus, Quand ils c'est sont. un C'est autre. pas quand ils sont sur l'île de Tenro. Si c'est ça, avec l'autre il a des grands cheveux jaunes là. Tes grands cheveux jaunes. Ouais. Ah oui, je m'en souviens, il m'a énervé lui. C'est un peu. Son truc il est un peu jaune et noir, son pouvoir. Ah oui, lui, ouais, mais lui c'est encore différent. Lui c'est le dieu du feu. Lui c'était le chasseur de dieu des flammes. Ouais, je crois que ça doit être ça, ouais. Et ben là, Oui. tu sais que Natsu, quand il avait aspiré son pouvoir et c'est pas parce qu'il a sauvé bah, le vieux, parce qu'il l'appelle le vieux. Oui, il a sauvé Makarov. Il a sauvé Makarov, ouais, c'est ça. Et il a dit, t'es pas bien de faire ça, hein, c'est même pas ce qui peut arriver ou quoi que ce soit. Puis lui, il s'en fout, parce qu'il peut avaler n'importe quelle flamme et il peut les, après, il peut les garder, hein, il peut garder ses pouvoirs en fait. Parce qu'après, t'as vu, quand tu regardes, t'as vu. Comment il s'appelle? Lexus? Non, pas Lexus. Si, c'est Lexus. Il a donné son pouvoir d'électricité et après normalement il. Et tu le vois ça d'ailleurs si j'ai trouvé ça dommage. Parce que ce pouvoir tu le vois le s'en resservir qu'une seule fois au final. Ouais. Enfin dans l'AMU au total il s'en sert que deux fois quoi. Ouais. Bah, il s'en sert une fois contre Gadjil, quand ils se battent.
quand ils se battent. Non, même pas la première fois qu'il s'en sert, c'était contre l'ancien maître de la guilde là, de la guilde clandestine à l'île de Tenro, c'est là qu'il a acquis le pouvoir. Et Ah même oui, ils là ont. oui, et ça sert aussi contre Gadjil, il fait parce qu'il fait coup de poing d'acier du dragon de feu et de dragon du feu électrique, un truc comme ça. Pour savoir qui était le meilleur entre les deux, quoi. De toute façon, ils chicanent tous les deux, alors Gadjil et lui. Et au final, bah même Gadji, plus tard, il a réussi à absorber le pouvoir des ténèbres, et du coup, c'est devenu le dragon d'acier de l'ombre. Ouais, d'acier de l'ombre et puis bah Natsu il a encore absorbé le pouvoir des du bah de bah, des, du, de l'autre. Quand il les a défoncés dans l'arène là. En plus il a pris les deux. Ouais, ça, c'était tellement épique ce Ah combat. ouais, ce combat-là, L'un ouais. des meilleurs combats de Fairy Tail. Là, de ouf. Et par contre, ce qui m'a fait chier gros, c'est quand Dragnir il se sacrifie pour sauver Natsu. Oui. Et en fait, tu sais, ils étaient en eux, en fait. Tu te rappelles pourquoi ils étaient en eux? Oui, c'était pour lui créer l'immunité contre le gène du dragon. Ouais, pour Pour pas qu'il éviter se qu'il devienne transforme en comme dragon. le dragon. Pour qu'il devienne comme Acnologia, quoi. Acnologia, ouais. Parce que lui, c'est vraiment le dragon le plus puissant que tu peux avoir. De toute façon. Bon, j'ai presque fini. Tu pourras venir voir ce que toi t'en penses. Pour le coup. Vas-y, bah Voilà. voilà, pour le coup j'ai. Oh, ça va, j'ai pas mal farmé quand même. Je suis. Alors, non, y a pas d'XP qui est tombé. Il manque pas grand chose et je peux passer niveau 47 là. Pas mal. Ah, c'est de la glowstone alors déjà deux, je vais faire. Hop. Ça. Je suis niveau 47. Ça. Ça. Et ça. Alors, t'es où? T'es dans le sous-sol? Yes. Je vais faire ça en attendant. Je vais faire. Ah oui, effectivement, ouais. Ça fait bizarre de voir tout le sol en blanc. T'en penses quoi? En vrai, je trouve que ça fait stylé comme ça, j'aime bien. Ouais, de toute façon, j'avais commencé à faire comme ça, alors je me suis dit, bah, autant faire comme comme ça. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'en dessous des coffres, regarde, tu vois. Ah, j'arrive! Tu regardes en dessous des coffres, tu vois la différence entre le vrai et le faux. Enfin, la poudre de béton et le béton tout court, regarde. Ah oui, ouais. Parce qu'en fait, quand tu mets le seau d'eau, en fait, vu qu'il y a un item de poser, tu peux pas. Oui, voilà. Après, voilà. Là, hop, voilà. Bon, maintenant, faut que je mette toutes les pancartes. D'ailleurs, faut que je remette aussi. Non, les coffres, je vais pas les foutre. Je vais remettre la table de craft. Mais tu sais quoi, la table de craft, regarde. Hop là. Voilà. Table de craft. Le truc pour scier la pierre, je vais le foutre. Je vais le foutre. Oh, quoique, il est bien ici. Il est à côté du. Ouais, il est bien ici. Bon, il commence à faire noir dehors et moi je me rends compte qu'il va falloir que je m'amuse à faire rentrer le chat après. Aussi. Il me manque. J'ai encore deux lumières. Je peux les foutre. Ici. Non. Parfait, Ah si. c'est bon. Non. Non, je peux pas. Oh putain, j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. C'est toujours comme ça. Voilà, tranquille. C'est quoi? On va mettre une ici. Et je vais en mettre une là. Voilà. Un petit peu d'éclairage dans ce monde du brut. C'est ça. Ouais, là, je trouve que c'est assez stylé, je trouve. Ouais, j'aime bien. J'aime bien.
C'est pas mal. Nous, de toute façon, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là pour ce soir. Je sais pas, il est quelle heure? Il est 8h, bientôt 8h30. Bah moi, je finis de poser mes trucs. Toutes mes pancartes là. J'ai plus de les reprendre. Merde. Merde. Entonnoir, hop. Je sais toujours pas ce que je vais manger d'ailleurs au passage. Ça va finir en assiette de pâtes cette histoire. Ah, quoi. Il n'y a rien de meilleur que les pâtes. De ouf. Les pâtes, c'est la vie. Bon, et puis en vrai, moi je suis le genre de gars qui pourrait manger des pâtes tous les jours sans problème, quoi. Vraiment. Bah ouais, non, je peux pas cuisiner non plus. Oh non, moi, franchement, je m'en fous, quoi. Je crois que là, il faut tuer ici. Ouais, c'est ça, hop, voilà. S'il n'y a rien pour l'instant. Oh, même la canne à sucre, hein. Si tu veux du papier, mon gars, les bibliothécaires ils vont être contents. Je crois que t'as vu tout ce qu'il y a en haut, tout en haut là. Tout en haut, j'ai pas regardé, mais je vois dans le coffre. Non, il est encore plein. Le coffre est quasiment plein. Ah ouais, d'accord. Bah tu regardes dans le truc de bouffe en haut, tu vas comprendre aussi. En plus, on a des bibliothécaires, non? Oui, je crois. Bah ouais, c'est ici, c'était là-bas que t'avais acheté les raccommodages. Ah bah oui. Oui. Il y en a un, il a un médaillon en or, lui il a un médaillon cuivre, lui en or, cuivre, et lui c'est en or. Oui, on en a pas mal. Pour le coup. Ah oui, c'est lui qui vend les raccommodages 34 émeraudes et un livre. Bon, attends, moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire beaucoup de papier. Tu peux te faire des niveaux avec beaucoup avec. Tu peux me faire beaucoup de niveaux avec eux. Bah, je vais enfiler du papier à gogo, déjà au moins ça va nous faire de l'émeraude. Ouais, effectivement. J'ai récupéré la table de craft là-bas. Ah non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Ah! Lucky! Ah oui, d'accord, ouais. Vas-y, je prends. J'en prends autant que je peux. Alors, qu'est-ce que tu fais comme bêtise encore? Hein? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Non, 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 pas de, non, pas de bisous, tu viens de te lécher le zboub. Fous-moi, quoi. Malade ou quoi? C'est pour ça que je me laisse plus non plus lécher par les chiens. Quand j'étais petit, je m'en foutais, mais en grandissant, maintenant, Mais ouais. je suis beaucoup plus réticent. Ah ouais, bah, tu m'étonnes. Ça va pas m'échapper alors qu'il se lève le coude, le bougre. Ah.
Ok, il m'a donné 16 émeraudes. Oh, quel coup, j'avais pas assez de canne à sucre sur moi. Ah ouais? Ouais, bon, je me suis fait 29 émeraudes déjà. Et je peux encore en faire quoi. Alors si tu veux vraiment la canne à sucre, etc. Dis-toi que il y en a encore dans le coffre de lecture en haut. Ouais, bon, c'est déjà là que j'ai pris, mais là après j'avais pas assez parce que je pouvais pas non plus tout prendre quoi. Et dis-toi qu'il y a à Oh, fond, je crois. un cheval blanc, viens là toi. Bonjour, moi, j'ai chopé un cheval blanc. Ah j'arrive, bon, alors j'arrive. Avec une selle, il me faut une selle avec, j'en ai Ok, pas. j'arrive. J'arrive. Oh là là, cheval blanc. Faut qu'il est pop. Oh les carottes, ils commencent déjà à pousser, c'est bien ça. Alors une selle, normalement j'en ai une. Là, oui. Selle corde, hop, voilà. J'espère qu'il est rapide. On va voir ça. Pour l'instant, je suis dessus. Façon, normalement, tu vois que ceux qui sont à vif, c'est qu'ils bougent beaucoup sur les côtés. Bon, lui, ça. Ça en a pas l'air. Enfin, je sais pas trop. Vas-y. Ah si. Ouais, ça va. Bien, bien, C'est bien, pas bien. l'un des plus rapides, mais ça va. C'est pas, on pourra. T'inquiète, on pourra toujours en refaire un rapide. Bien, 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 bien. Vas-y, moi je te laisse le mettre dans ton enclos. Bon, c'est pour toi celui-là. Ah non, vu que Tu tu l'as as dit poussé, que tu. il devient à toi vu que tu l'as monté. Bah non, pas forcément après. Toute façon, t'inquiète, on en fera des rapides au cas où. On fera des plus rapides avec un peu plus de vie. Mais bon, après, c'est pas parce que je l'ai apprivoisé qu'il est forcément mort. Tu peux, Non, non. n'importe qui peut le monter là. Faudra retrouver un deuxième et puis on les accoupler. Faut des carottes dorées pour ça, je crois. Ah ouais, il faut des carottes dorées pour accoupler ces couillons. Ouais. Il va faire un choix, là, alors, bon. Bon, bah écoute. Poser la Poser laisse dans la laisse et puis la les. reposer là. Hop, Tiens, je devais te reposer ton épée au passage. Hop, voilà. il y a encore tout ça à ranger. Ça y est, il y a une selle. Tiens. Hop, ça y est. J'allais finir de trier tous mes trucs. Enfin, de remettre mes trucs que j'avais à remettre. Et après, on sera habillé une. Ah, faut que je finisse mon bah là-haut parce qu'il manque les toits là-haut, il a pas encore été fait, il est pas encore fini le toit où il y a nos marchands. Non, mais après il fallait que tu fasses ton arbre. Oui, aussi on verra bien ce que ça donnera. Après bon courage à toi. Je t'avoue que j'ai déjà tenté de faire des arbres par le passé, j'ai jamais été une très grande réussite. Après il faut dire que je me suis non plus jamais vraiment entraîné à les faire. Oui bah oui. Bah moi en fait vu qu'on joue tous les deux et etc. on joue souvent à Minecraft tu vois. Maintenant j'essaie de prendre l'habitude de faire des assez beaux builds tu vois. Ouais. Bah j'essaie de faire des beaux builds tu vois. Comme le pont j'ai essayé bon voilà le pont. Donc là, de toute façon, c'est à force de faire que tu y arriveras. C'est ça. Bah, certes le pont voilà il est bien mais. Il y a trop de trucs qui poussent là. Et ça Ouais, m'énerve. j'ai regagné un niveau avec les bibliothécaires. Ah, je te dis, ça monte vite. Hein. Et j'ai un stack d'émeraudes. Pas mal. Juste en vendant du papier.
Ah, du coup, tu peux reprendre des raccommodages. Ça te fera encore monter des niveaux en plus. Non, bah, de toute façon, des raccommodages, il va falloir, vu que toi, là, t'en as pris deux, donc du coup, ça veut dire que t'es pas full raccommodage non plus. Non, je suis pas full raccommodage, non. Pour le coup, non. I don't know. Donc, Regardez. ouais, des raccommodages, il va nous en falloir pas mal. Ouais, du diamant, ça va, on a ce qu'il faut pour l'instant. Pour le coup. Bah, sachant que diamant, tu sais que j'avais calculé, il nous en fallait 108 pour dupliquer les améliorations. Donc, dis-toi que en vrai, il nous en reste que 36, les deux autres stacks qui serviront à dupliquer. Bah ouais, pour le coup, ouais. Parce que là, je suis combien on en a là? Bon, c'est là. Ah, bah, il n'y avait plus d'émeraude en plus, match à Stormer. Non, plus On recharge un d'émeraude. peu. Hop, ça va là-dedans. Alors, ce coffre-là sera pour la Netherite. Et ce coffre-là, ce sera le coffre de Lapis. Lapis, Netherite, et puis on aura tous les trucs. Chair putréfiée, ça tombe bien, ça va là, hop. Les trucs, les os, je crois que je les ai foutus quelque part, les os, mais je sais plus où je les ai foutus. Bah, ils sont là. Alors, hop, hop, hop. De toute façon aussi pareil si t'arrives à nous rechoper un curé les Oui. émeraudes ça va y aller hein, parce qu'avec toute la chair pétrifiée qu'on a Ça, je pourrais le faire, mais on sera peut-être pas pour eux ce soir, par contre. Bon non t'inquiète tu fais ça un autre soir mais ouais là on en a de la chair pétrifiée hein, pour Béton. Attends, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, j'en ai plus. Ici, je pourrais même refaire des trucs là pour des coffres au cas où pour l'instant pour l'instant on a Bon, pour l'instant, il y a ce qu'il faut là. en coffre ça va je trouve. Bah faut voir pour avoir parce qu'on va trier toute la bouffe. C'est-à-dire là ça va être le foin, carottes, pommes de terre, betteraves, là ça sera je sais Les pas graines. les graines peut-être ouais voilà ici. Ah pardon, je sais pas. Ah, ça, bah, ici sera les différents types de bouffe aussi. Ici ça sera la viande, Bœuf, le cochon. viande, pain, biscuits et un autre truc. Je sais pas quoi. Nourriture. Rayon de nourriture. Voilà. Voilà. On va dire qu'on a bien. Ah, par contre, il manque un truc là. Là, il manque un petit truc. Ça me perturbe. Voilà. Là, c'est mieux. Piting. Y a pas d'autre temps. Ah, c'est les entonnoirs, j'ai oublié de le mettre, tiens. Hop, voilà. Et ici, il faudra que je mette un coffre simple où je mettrai que les fours. Comme ici. Non, mais attends, bouge pas. Hop, voilà. Ah merde, ce sont des pancartes. Ah bah j'en ai plus. C'est pas grave. Je vais faire ça. Hop.
Voilà. Ah, puis j'ai encore de la poudre de béton sur moi, putain. Sur quoi? Où c'est que je vais le foutre, ça, par contre? Merde, on va ma pioche. Ah, c'est quoi là? Ça, c'est de l'obsidienne. Diorite. Gravier. Dans tous les cas, la poudre de béton, je vais la foutre ici. Je vais mettre le béton blanc ici. Hop. Et on mettra de la poudre de béton ici. Voilà. Comme ça, l'obsidienne, elle bouge. Voilà. Je vais refaire deux petits sticks. Bah, des petits sticks, voilà, comme ça me fait de la place. Tiens, tu mets des torches. Tiens. Et tiens. Voilà. Là, t'es dit. Ici, ça va être les coffres. Hop, hop. Et hop. Voilà. L'obsidienne pleureuse, je vais la foutre avec ça. Tu viens dormir? Ouais. Je sais que tu étais concentré en message, mais... Et on va s'arrêter après qu'on aura fait dodo. Hop. Bien. Et hop. Tout ça encore. Ouais, ça c'est... Ouais. Bon, sur ce, les amis, nous on vous laisse. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. À la prochaine.